Un beau bonjour à toutes et tous. Je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle capsule. Oui, nous nous retrouvons pour les différents exercices des petits bonshommes allumettes. Je vais commencer pour se détacher d'une personne. Petite parenthèse, vous pouvez toujours aller visionner l'introduction à ce sujet. Alors, l'exercice pour se détacher d'une personne, a pour but de vous amener à avoir plus de détachement envers cette personne ou une situation. Dans un certain sens, l'attachement et la dépendance ne sont pas le véritable amour, n'est-ce pas? Alors que l'amour est aussi sagesse avec ses libertés, l'attachement vous place plus dans la position de vouloir consciemment et inconsciemment contrôler les autres ou la situation, empêchant ainsi l'énergie divine de couler librement pour le meilleur de vous-même et des autres. De façon simple, disons que l'attachement provient à l'origine de l'une des six peurs fondamentales que je vous ai mentionnées dans la capsule de l'intro. L'attachement conscient et inconscient qui existe entre deux personnes peut se retrouver au niveau de chaque centre d'énergie et chacun de ces centres correspond à un état de conscience. Vous en avez sept, il y a sept principaux centres d'énergie, aussi appelés les chakras. Voici l'exercice en image avec une personne. Cette technique des petits bonshommes allumettes consiste à couper les liens conscients et inconscients. Alors, cette méthode se fait en sept étapes et il est très très important de la faire dans l'ordre. Je répète que on ne coupe pas l'amour, mais bien l'attachement. Première étape pour l'exercice, je me mets en situation, n'est-ce pas? Je commence toujours par me dessiner en premier à gauche de la feuille. Je dessine la tête, les yeux, le nez, un grand sourire qui est très important. Ne pas dessiner une bouche fâchée. Puis je dessine le corps, les bras et les jambes, comme sur le dessin. Après cela, j'écris mon prénom Fabi et mon nom de famille Ange en bas. Deuxième étape, je dessine l'autre personne à droite de la même façon que je me suis dessinée. Tête, yeux, le nez, le sourire, qui est important, ne pas dessiner une bouche fâchée. Puis je dessine le corps, les bras et les jambes. J'écris son prénom, ici j'ai pris Jean, et son nom de famille, Dupont, en bas. Troisième étape, je dessine un cercle de lumière autour de moi. Le cercle doit être bien fermé et pour ne pas que mon subconscient enregistre que je suis enfermé dans quelque chose, je vais dessiner des rayons lumineux tout autour pour que mon subconscient enregistre que je suis dans un cercle de lumière et non pas enfermé dans quelque chose. C'est important, donc prenez le temps de faire ces rayons. En même temps, dites « Je veux ce qui est le mieux pour moi », c'est-à-dire Fabien-Ange, conscient et inconscient. Alors, c'est quoi ce qui est le mieux pour moi? Je ne le sais pas, n'est-ce pas? Mais je veux ce qui est le mieux pour moi. Quatrième étape, je dessine un cercle de lumière bien fermé autour de Jean Dupont avec des rayons lumineux pour montrer à mon subconscient que Jean Dupont est vraiment dans la lumière. Et je dis que je veux ce qui est le mieux pour Jean Dupont. Cinquième étape, je dessine un cercle de lumière bien fermé autour de nous deux, c'est-à-dire de Fabien-Ange et de Jean Dupont, avec des rayons lumineux, et je répète, je veux ce qu'il y a de meilleur pour nous deux, c'est-à-dire
Fabien-Ange et Jean Dupont. Alors, encore une fois, c'est quoi ce meilleur pour nous deux? Eh bien, moi je ne le sais pas. Mais par contre, l'univers, lui, il sait. Sixième étape, je trace les lignes d'attachement conscientes et inconscientes. Le premier centre d'énergie est le chakra racine qui se trouve au niveau du coccyx. Je trace les lignes d'attachement conscientes et inconscientes par rapport à chacun de mes centres d'énergie qu'on appelle les chakras. Et on en a sept. Je peux aussi le faire avec les crayons de couleur pour les sept chakras. Le rouge, l'orange, le jaune, le vert, le bleu, l'indigo et le mauve. Mais cela reste encore optionnel. Vous commencez par vous pour aller à droite. Le deuxième centre d'énergie est le centre sacré qui est situé entre le nombril et le pubis. Donc, je commence par moi pour aller rejoindre Jean Dupont. Le troisième centre d'énergie est le plexus solaire qui se situe en dessous du plexus. Donc je relie les lignes d'attachement conscientes et inconscientes et je commence par moi pour aller rejoindre Jean Dupont. Le quatrième centre d'énergie, eh bien, est le cœur. Le cœur qui est relié à l'amour, n'est-ce pas? Et je commence par moi pour rejoindre Jean Dupont. Le cinquième centre d'énergie est la gorge qui se trouve au niveau de la gorge, n'est-ce pas? Le sixième centre d'énergie est le troisième œil qui se trouve entre les deux yeux et qui est relié au plan mental. Donc je relie les lignes d'attachement consciente et inconsciente et je pars de Fabien-Ange pour aller rejoindre Jean Dupont. Le septième centre d'énergie est le chakra couronne qui se trouve au-dessus de la tête. Septième étape, je découpe les lignes d'attachement consciente et inconsciente au milieu, c'est-à-dire entre Fabien-Ange et Jean Dupont, comme montré sur le dessin, n'est-ce pas? Et je dis, je veux ce qui est le mieux pour moi, Fabien-Ange, et je veux ce qui est le mieux pour Jean Dupont, conscient et inconscient. Je veux ce qui est le mieux pour nous deux, conscient et inconscient. Je coupe les liens conscient et inconscient. Encore une fois, on ne coupe pas les sentiments d'amour, mais bien l'attachement. Et on n'oublie pas de dire merci, merci, merci. Alors, que faire avec cette feuille? Eh bien, vous la jetez dans la corbeille ou la poubelle. L'important, n'est-ce pas, c'est d'avoir fait l'exercice. Après, eh bien, vous faites comme vous voulez, cela n'a pas d'importance. Si maintenant vous avez des questions, vous pouvez toujours me les mettre en commentaire ou via mon adresse mail. Je vous remercie pour votre écoute et vous souhaite de tout cœur tout le meilleur pour vous. À très vite.